Toujours lié aux évolutions du cahier technique 2022, on retrouve le transfert de recouvrement de la CFPTA et plus précisément la gestion de l'OPCO, l'opérateur de compétences. Effectivement, la rubrique OPCO, en DSN, c'est la S21-G0011-023, permettra aux établissements dont le code IDCC déclaré ne permet pas l'identification automatique de l'OPCO de rattachement de renseigner l'opérateur auquel il se rattache. Donc, on parle aussi de transfert de recouvrement de la CFPTA. La CFPTA, pour rappel, c'est la contribution de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Cette rubrique est à déclarer pour les conventions collectives égales à 5501, 5100, 9998 ou encore 9999. Pour pouvoir gérer le type d'opérateur de compétences, on a rajouté un champ dans Base établissement. Dans l'onglet Déclaration, on va pouvoir renseigner le type OPCO. Donc là, il suffit de le sélectionner dans la liste déroulante et de renseigner par exemple Constructis. Si jamais je laisse sur Aucun, quand je vais lancer mon contrôle DSN avant d'envoyer ma DSN, de pouvoir créer la DSN, je vais avoir un message qui me dira le type OPCO de l'établissement est obligatoire, puisqu'effectivement, j'ai renseigné une convention collective qui est censée avoir un type OPCO. Si à l'inverse, je n'ai pas de convention collective mais que j'ai renseigné un type OPCO, par exemple Constructis, et que je relance mon contrôle, là il me dira que la convention collective de l'établissement est obligatoire. Donc il faut bien que les deux informations soient complétées, donc la convention collective d'une part et le type OPCO de l'autre. Ensuite, j'ai complété le type OPCO et que j'ai bien ma convention collective. Dans ma DSN, je retrouverai bien, donc, je vais vous montrer sur ma DSN d'ancienne déclaration sociale, dans la partie établissement, dans la rubrique S21-G0011-023, que vous avez ici, l'opérateur de compétences. Je vois bien donc l'opérateur que j'ai sélectionné dans Ciel Paye, avec le code qui lui est rattaché au niveau de Ciel Déclaration sociale. Donc ce sera bien repris automatiquement. Donc voilà pour ce qui est de la gestion de l'OPCO.